Après son premier long métrage, un film de fiction intitulé 322, le réalisateur slovaque Dusan Hanak tourne au début des années 1970 en long métrage documentaire Les images du vieux monde. C'est un portrait des hommes et des femmes âgés qui mènent une vie simple et dure à la campagne slovaque dans la région montagneuse de Liptov et d'Orava. C'est un film pur, humble et beau, avec un brin de pathos. Juste après sa création, il a été interdit au public et il a disparu dans le coffre de l'archive pour presque 18 ans. Essayons de voir pourquoi. Dushan Hanag appartient à la deuxième génération de la Nouvelle Vague tchécoslovaque avec deux autres réalisateurs slovaques, Jura Jakubisko et Elohaveta. Tous les trois ont tourné leur premier long-métrage en 1969, qui était l'année particulièrement difficile pour la Tchécoslovaquie. Après l'invasion de l'armée soviétique assistée par les armées de quatre autres pays du Pacte de Varsovie en août 1968, le mouvement de libération tchécoslovaque a été freiné et le pays entier s'est retrouvé dans ce qu'on appelait la période de normalisation. Même si dans les années 1970, les persécutions des intellectuels et des artistes étaient un peu moins sévères en Slovaquie qu'au pays tchèque ou en Moravie, pour beaucoup de Slovaques, cela signifiait l'interdiction ou la suspension temporaire de toute leur activité publique. De nombreux auteurs de films de fiction ont dû revenir au court-métrage, certains ont atterri dans le dessin animé ou même dans le doublage. Dusan Hanak, auteur de plusieurs courts-métrages documentaires de types et de thèmes très variés, est revenu au documentaire. Mais il a réussi à travailler sur un long-métrage et cela sans trahir ses valeurs éthiques et esthétiques. Les images du vieux monde, a échappé complètement à l'idéologie dominante. Ce film est inspiré de secles, cinq cycles photographiques du photographe sauvage Martin Martinczyk. Hanag a incorporé les photos de Martinček dans son film, il a revisité et filmé leurs protagonistes, et il en a trouvé six autres avec le photographe de sa génération, Vladimir Bavrek. Ils ont ainsi créé un monde peuplé de gens qui vivaient dans la pauvreté et à la périphérie de la société socialiste. Les images cinématographiques d'un pays pauvre, arriéré, aux conditions de vie très dures, contredisait la rhétorique officielle. La Slovaquie, Slovaquie socialiste aurait préféré de montrer les établissements pour les seigneurs modernes et hygiéniques, où l'on vivait heureux tout en respectant les règles de vie communes. Or Hanak a montré un bonheur différent. Il y avait dans ce bonheur une certaine liberté. Une liberté malgré tout. J'ai presque envie de dire une liberté de révolte individuelle. Et non seulement celle des protagonistes, mais aussi ou surtout celle du réalisateur. En 1988, quand la Tchécoslovaquie de nouveau a commencé à sentir la liberté dans l'air, les images du vieux monde a pu enfin être sorties du coffre de l'archive et faire le tour des festivals. Cette fois-ci, la liberté que nous montre Hanak n'a pas été punie, mais couronnée de nombreux prix.